Une maison placée sous haute surveillance. Pourtant, Franck ne craint pas les cambrioleurs. Ses caméras lui servent uniquement à surveiller ses deux filles, Noéline et Marine. Celle-là, en fait, elle me permet de voir toute cette partie-là de la pièce. En l'occurrence, elle me permet de zoomer, par exemple, sur le parc ou sur la table de la salle à manger. Le plus étonnant, c'est que Franck ne quitte quasiment jamais la maison, car en fait, il travaille de chez lui. Son bureau se situe au fond du jardin. C'est d'ici qu'il contrôle toute sa maison. Alors ici, en fait, c'est un petit peu ma tour de contrôle. Et là, par exemple, ma femme est dans la cuisine en train de laver les biberons. Je peux voir... Et la petite qui se trouve dans son parc, et la deuxième qui est sagement assise à la table en train de faire ses crayons. C'est vrai que ma femme, elle est dans la cuisine tranquillement. Elle est juste à côté, mais réellement, elle ne voit pas ce qui se passe, alors que moi, je le vois ce qui se passe. La confiance règne.